moi, c'est un des plus beaux villages du Haut-Valais. Mmh. Et vous savez, je l'ai connu. Je l'ai connu, ce que vous avez encore connu, quand il y avait tous les champs de blé autour. Non. Vous savez, à Erschmatt, quand il y avait... Parce qu'il y a des ans derrière, je crois qu'il y a la forêt qui monte. Voilà. Oui. Alors, entre ça et le village, il y avait des champs de blé, c'était une merveille. Tous les champs de blé qui étaient là. C'est une pure merveille. Mmh. Puis j'ai connu à Erschmatt quand il y a eu un meurtre. Un meurtre? Oui, un meurtre. À Erschmatt? Oui, à Erschmatt. Il y a eu quelqu'un a tué un autre avec un fusil, je ne me rappelle plus pourquoi, à Erschmatt. Oui, oui. Oui. Mmh. Et Erschmatt, c'est évidemment, c'est très très beau, Erschmatt. Mmh. Oui. La situation. Oui, c'était, il y avait, c'était absolument, comme on est, l'ancien valet, c'est le jour et la nuit, comme on est, le paysage et les gens, c'est la même chose. Donc, Erschmatt, je me rappelle, c'était une merveille de champs de blé, quand ils étaient dorés, là, il y avait, je crois, les pins, les champs de blé, puis Erschmatt, bien, posé là sur le plateau, même pas. Puis ensuite on arrivait avec la pente qui descend sur le rond. La faille, une espèce de faille pas très loin. Mmh. Oui. Et puis en dessous, près du rond, il y a ces buissons avec des fleurs rouges. Extraordinaires. Comme des plantes oui, et des. Oui, comment on appelle ça? Ils sont c'est des plantes des steppes. Très rares. Oui, des plantes des steppes. Ouais. Des steppes.